contacter, on va vous donner les voix qu'il faut. On va... D'abord, merci. Je suis venue dire bonjour aux enfants. On va peut-être cet après-midi ou demain venir leur apporter quelque chose pour dire que leur maman est passée et qu'elle ne les a pas oubliés. Les enfants qui vivent à Djoué-Koué, bonjour. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Je voulais venir depuis un certain temps, mais nos occupations qui sont très lourdes au Palais de la Culture nous ont empêchés de venir avant. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec vous. Je voudrais saluer toutes les chefferies qui sont là et vous remercier d'être là ce matin avec nous. La culture et la solidarité marchent ensemble, la main dans la main. Nous sommes un peuple solidaire et il n'est pas possible que la culture, qui est l'âme d'un peuple, ne soit pas auprès de ceux qui souffrent. Djoué-Koué a beaucoup souffert et souffre encore. Des affres de la guerre. Ça va, ma chérie? Viens, viens, accompagne-moi. Mes enfants, on ne peut pas vous oublier parce que il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, mais toute la Côte d'Ivoire, ce sont vos parents et le président Gbagbo, il vous aime. Nous voulons que vous ayez bien à manger tous les jours. Nous voulons que vous soyons bien habillés tous les jours. Nous voulons que vous alliez à l'école. Nous voulions que vous ayez un avenir plus tard. On a pensé à vous. On a détoyé, mais... On vous a apporté, comme on dit en Afrique, un petit peu d'eau en attendant que votre avenir soit totalement assuré. Bon arrivée.
l'occasion pour dire à notre maman que tout ce qu'elle nous apporte comme soutien matériel et financier, nous les avons reçus à tout moment. Nous souhaitons qu'elle garde l'amour qu'elle a pour son prochain, les démunis de l'Éternel, de continuer son immense œuvre qu'elle entreprise de donner le goût de la vie aux enfants à travers l'ONG Institut Les Belles Demeures. Le conflit que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas vous qui l'avez voulu. Et c'est à nous alors de réparer les torts qui vous ont été faits. Vous êtes nos enfants, vous êtes les enfants de tous les Ivoiriens. Et vous ne serez pas seuls. Vous voyez aujourd'hui, il y a toute la communauté qui est réunie autour de vous pour vous dire, vous êtes un trésor que nous voulons protéger. Je demande à tous ces adultes qui s'occupent des enfants d'avoir au devant eux seulement leur cœur et nous pourrons trouver des solutions à tous les autres problèmes.